Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez-en remerciés pour votre confiance à Radio Horizon. Bonsoir et bienvenue au journal. Voici les titres. Elle touche le plus souvent les femmes et se manifeste par des douleurs persistantes au niveau des articulations. L'arthrose est une maladie qui, selon les spécialistes, peut être traitée par l'entretien physique régulier et adapté. Les opérateurs économiques apprécient les nouvelles réformes dans le secteur du commerce au Togo, mais souhaitent que le gouvernement togolais fasse encore mieux. Quelle importance du code de la route? Les réponses dans cette édition. La voix du Zio. Bonsoir mesdames et messieurs, le développement des titres. Notre cher pays, le Togo, enregistre quotidiennement des accidents de la route, de la circulation. Ces accidents font plusieurs victimes. Elles sont dues, dans la plupart des cas, à la méconnaissance et le non-respect du code de la route. Monsieur Lady Kofi, directeur de l'auto-école Feu Tricolore à Thiévier, Manogiakbo. Un piéton, celui qui roule sur vélo, moto, voiture, camion, poids lourd, tout ça là, tout le monde devra connaître le code de la route. L'importance du code de la route, c'est d'éviter les accidents de la circulation. Le piéton qui ne connaît pas son code, il va rouler de quel côté sur la route. C'est ça l'une des importances du code de la route. Et il y a une question que nous posons chaque fois qu'il y a un examen ou bien nous questionnons nos élèves. Quelles sont les causes des accidents de la circulation? La réponse est en une seule phrase. C'est le non-respect du code de la route. C'est ça la réponse. Vous ne respectez pas le code, l'accident, ça peut vous arriver. Donc l'importance du code de la route, c'est d'éviter les accidents. Qu'on soit piéton, cycliste ou conducteur, il est aussi important de maîtriser les règles élémentaires du code comme le clignotant qui fait partie des moyens de communication sur la route. Monsieur Lady Kofi. Les clignotants, c'est l'un des feux d'une voiture qui nous aide à signaler là où nous voulons tourner, là où nous voulons marquer l'arrêt. Le clignotant, ça fait beaucoup de choses. Pour démarrer, le clignotant, il faut l'actionner. Pour dépasser, après avoir dépassé, pour tourner et pour s'arrêter, comme je viens de le dire. Donc, le clignotant, c'est nécessaire pour chaque voiture. Le clignotant, ça éclaire à 0 mètre. C'est tout juste pour actionner le clignotant et signaler à celui qui est derrière ou bien devant que nous voulons tourner ou bien marquer l'arrêt. Nous remercions Monsieur Lady Kofi, directeur de l'auto-école Feu Tricolore à Manogiakbo, Thiévier, pour ces informations. La voix du Zio. De nos jours, des réformes sont en cours dans le secteur du commerce au Togo. Objectif, faciliter et assainir le climat des affaires dans notre pays. Que pensent les opérateurs économiques de ces réformes? Monsieur Sobo Kodjo Jérôme, directeur de Dakoson Business Center, élu conciliaire région maritime de la Chambre commerce d'industrie du Togo. Les réformes actuellement en cours sont une bonne chose et qui sont aussi de nature à faciliter l'environnement du commerce pour les opérateurs économiques que nous sommes. Cela va en bon train. Il faut savoir quand même qu'il y a des réductions considérables sur certains des impôts que nous payons. La facilité dans l'établissement de certains documents qui devient de nos jours presque facile par rapport au passé. Aujourd'hui, les opérateurs, s'ils sont bien renseignés, même peuvent se fier par exemple à la Chambre du commerce pour avoir des renseignements nécessaires et ce partant avoir les informations qui peuvent leur permettre de savoir à qui avoir affaire au moment opportun ou quand un besoin présent donc se pose. Mais cependant, c'est une bonne chose quand même aussi à ses côtés néfastes. L'OTR dont certains aujourd'hui croiraient que c'est une mauvaise chose, mais que moi, je dis personnellement que j'apprécie, permettra de canaliser les fonds de la nation et de ce fait permettra donc à tout Togolais de bénéficier de manière efficiente et équitable les ressources naturelles. Avec les réformes, les opérateurs économiques bénéficient de plusieurs privilèges. Monsieur Sobo. Au niveau d'abord, par exemple, du renouvellement de la carte d'installation, au bout de 24 heures, déjà vous avez ce papier qui est au bout de vos doigts. Pour faire aussi les papiers, cela ne traîne pas comme par le passé. Quand vous allez même au niveau des impôts, il suffit que vous-même soyez en règle. Quand vous voyez que vous êtes en règle, au bout d'une semaine, je pense que les papiers sont là et qu'on ne traîne plus les bosses, on ne traîne plus dans la boue comme par le passé. Il y a des réductions sur certains taux d'imposition qui sont réduits. Donc, quand on parle de réduction, cela veut dire que ça nous fait un plus. Donc, même quel que soit quand même son montant, cela servirait quand même à faire quelque chose.
Le gouvernement togolais doit faire encore plus d'efforts pour l'amélioration du climat des affaires au Togo. Il va falloir que l'État fasse encore un peu plus. Le problème pépinier des permis, nous avons toujours dit, c'est le financement. C'est le gros du problème que les permis ont aujourd'hui. Si l'État pourrait encore aider, aller encore un peu plus dans cet avantage, par cette histoire de la FNFI dont on parle, donc c'est pas dans ça on parle. Ça, c'est pour une masse vraiment la basse classe qui a besoin de ça. Donc, des montants un peu plus importants pour soutenir les permis. Je pense que cela va aider beaucoup l'État parce que il faut savoir que les permis jouent quand même un rôle très important dans le PIB national. Nous venons d'écouter Monsieur Sobo Kodjo Jérôme, directeur de Dakoson Business Center, élu consulaire région maritime de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. La voix du Zio. Caractérisé par des douleurs intenses au niveau des articulations, l'arthrose est une maladie qui frappe plus durement les femmes. Les symptômes de la maladie deviennent fréquents à la quarantaine, soit 40-45 ans. De nos jours, aucun remède n'est efficace contre la maladie. Seulement des traitements symptomatiques existent. La prise en charge est concentrée sur la réduction de la douleur. Mais la chirurgie permet de poser des prothèses articulaires en cas de destruction osseuse. Professeur Maria Antoinetta D'Agostino, rhumatologue à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt en France. L'arthrose, elle touche plutôt les personnes un peu âgées parce que c'est un rhumatisme dégénératif, mais des facteurs traumatisants, comme par exemple des accidents des voitures, les coups de lapin, peuvent aggraver et faciliter l'évolution de la dégénérescence des disques vertébraux, ce que vous avez, et donc la présence d'une arthrose cervicale. Il y a aussi des facteurs génétiques, par exemple, si on a un cou très long, on est un peu plus amené à bouger les coups et donc avoir une usure un peu plus rapide des articulations. Malheureusement, dans l'arthrose, on n'a pas des médicaments qui modifient l'évolution de la maladie, on ne les a pas encore trouvés parce que les mécanismes ils sont multifactoriels. On agit plutôt sur des médicaments qui enlèvent la douleur ou qui peuvent enlever la poussée inflammatoire parce que l'arthrose, c'est une maladie dégénérative, mais elle est caractérisée aussi par des poussées inflammatoires où il y a une inflammation dans l'articulation et dans ces cas, on prend des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou on peut faire dans des articulations des infiltrations des stéroïdes pour bloquer l'inflammation et donc bloquer un peu les évolution, parce qu'on sait qu'une inflammation provoque une évolution beaucoup plus rapide. Néanmoins, à ces jours, on n'a rien pour empêcher, aucun médicament peut empêcher l'évolution de l'arthrose. C'est seulement des mesures d'hygiène qu'on peut discuter éventuellement de ces mesures d'hygiène. Le sport, une bonne alimentation et le respect de certaines règles d'hygiène sont quelques facteurs de prévention de l'arthrose. Dans l'alimentation, il y a un lien très important entre obésité, diabète, maladie dysmétabolique et évolution et sévérité de l'arthrose. Donc déjà, l'effet de ne pas prendre du poids, d'avoir une activité sportive régulière et d'éviter tout traumatisme si possible, c'est un facteur qui peut prévenir l'évolution de l'arthrose et donc ses manifestations douloureuses. En ces moments, c'est l'unique chose qu'on peut faire. On n'a pas vraiment de médicaments ni d'aliments à considérer ou à suggérer pour éviter l'évolution de l'arthrose. Nous venons d'écouter professeur Maria Antoinetta D'Agostino, rhumatologue à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt en France. La voix du Zio. La communauté internationale a célébré le 21 février 2015 la journée de la langue maternelle autour du thème « L'éducation inclusive grâce aux langues, les langues comptent ». Cette journée a été proclamée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, en novembre 1999. Le 16 mai 2007, l'Assemblée générale des Nations Unies a demandé aux États membres et au secrétariat d'encourager la conversation et la défense de toutes les langues parlées par les peuples du monde entier. Depuis l'an 2000, la Journée internationale de la langue maternelle est célébrée afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle ainsi que le multilinguisme. Qu'entendons-nous par langue maternelle ? Monsieur Amédivlo Sylvain, animateur culturel, nous répond. La langue maternelle
est la langue avec laquelle nous sommes nés. Une langue qui valorise notre culture. Une langue que nous devons maîtriser et valoriser, entretenir, parce que c'est la langue par laquelle nous comprenons mieux et plus clairement les explications de nos interlocuteurs par rapport aux autres langues. Il est donc nécessaire d'entretenir sa langue maternelle et surtout faire de sorte que nous ne la mélangeons pas avec d'autres. Parler bien sa langue maternelle, c'est valoriser et promouvoir sa culture. Par exemple, la langue française est la langue maternelle de quelqu'un qui est de la France. Alors s'accrocher à ça, même entre nous qui avons notre langue à nous, c'est faire du tort à la langue maternelle. Aujourd'hui, nos langues maternelles subissent l'influence des langues étrangères, celles du colonisateur. Il est même difficile pour plusieurs personnes de nos jours de faire une phrase juste en langue vernaculaire sans glisser un mot français. Monsieur Amélie Vlot-Sylvain. Nous ne maîtrisons pas la langue. De deux, cette langue maternelle n'est pas enseignée dans les écoles. Comme ce n'est pas enseigné dans les écoles, nous sommes dans l'obligation de la mélanger avec la langue française qui nous est enseignée à l'école. Donc, c'est parce que nous ne maîtrisons pas, nous n'entretenons pas cette langue-là. C'est pourquoi nous la mélangeons souvent avec les autres langues. Il faut demander aux autorités de faire de sorte que la langue maternelle soit enseignée dans les écoles afin que tout le monde puisse maîtriser, tout le monde puisse avoir le parler facile pour que quand il faut parler la langue maternelle, on soit capable de la parler correctement, clairement. Nous remercions Monsieur Amélie Vlot-Sylvain, animateur culturel, journaliste à Radio Horizon. Rappelons que la date du 21 février a été choisie en hommage aux étudiants tués par la police à Dhaka, aujourd'hui capitale du Bangladesh. Ils ont manifesté pour que leur langue maternelle, le bengali, soit déclarée deuxième langue nationale du Pakistan à l'époque. Michelle Obama s'investit pour l'éducation des filles. Dans cet article, nos confrères du site d'information Africa Rendez-vous, la première dame des États-Unis va faire cet investissement avec les volontaires du corps de la paix dans plusieurs pays du monde. L'initiative est baptisée « Laissez les filles apprendre ». Le projet va démarrer dans 11 pays pilotes, notamment l'Albanie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cambodge, la Géorgie, le Ghana, la Moldavie, la Mongolie, le Mozambique, l'Ouganda et le Togo. L'initiative vise le renforcement des capacités locales par une formation ciblée, la sensibilisation du peuple américain afin d'obtenir un soutien pour des solutions sur le plan communautaire à travers le programme du partenariat du Corps de la Paix. Elle vise à accroître également l'impact des volontaires du Corps de la Paix en faveur de l'éducation des filles. Selon le site d'information Africa Rendez-vous, au moins 650 volontaires supplémentaires vont être formés dans les pays ciblés pour promouvoir l'éducation, l'autonomisation des filles. Le site rappelle qu'au plan mondial, 62 millions de jeunes filles sont non scolarisées. La voix du Zéro. Madame Sina Lawson, le ministre des Postes et de l'économie numérique, veut refonder l'opérateur historique Togo Telecom. Selon le site d'information Republic of Togo, l'objectif est d'offrir aux clients une meilleure qualité de service, notamment l'accès à Internet et des tarifs plus doux. Selon Sina Lawson, les infrastructures télécom constituent le socle fondamental de l'économie numérique et la transformation du groupe reste déterminante pour le Togo dans sa marche vers l'émergence. Sina Lawson a expliqué que ce bond qualitatif, la clientèle l'attend. Cette refondation doit aussi jouer un rôle déterminant dans la transition numérique au Togo. Si tu as fait une erreur, admets-le, excuse-toi et avance. Ainsi, il n'y a pas un temps précieux perdu à essayer de te justifier et à prouver que tu as raison. Tu as beaucoup de leçons à apprendre, apprends-les rapidement et essaie de ne pas faire la même erreur deux fois. Une pensée d'Eliane Kadi pour vous dire que nous refermons cette page d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Edem Akbetosu. Réalisation Mustapha Youn.
très bonne suite de nos programmes.